Bravo! Félicitations, Jean Brassard! Quelle vedette extraordinaire! Ah, mais c'est étrange que tu n'oublies pas ton nom, hein? Ah, ben, qui pourrait oublier le mien? Hey, mais sérieusement, on va parler maintenant d'une des plus grandes vedettes, une des vedettes les plus flamboyantes, extravagantes, un des plus grands athlètes qui est monté sur le ring ici à la World Wrestling Federation, le Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Et effectivement, Raymond, une année absolument accablante, en fait, sur l'ensemble, dans l'année de Shawn Michaels. Et oui, en janvier dernier, il a remporté le Royal Rumble. Il a été le premier à monter sur le ring et il a réussi à rester jusqu'à la fin pour remporter le match, ce qui lui a mérité un combat de championnat à WrestleMania 11. Mais après le Royal Rumble, Shawn se croyait un homme ciblé. Alors, il s'est procuré les services de Sid. Mais c'est ce fameux Sid qui lui a coûté le titre à WrestleMania 11. Eh bien oui, parce qu'on sait très bien que, ensuite, à la surprise, à l'étonnement de tout le monde, Sid, le cinglé, s'est retourné contre Shawn Michaels. Eh oui, mais ça ne l'a pas empêché de poursuivre une carrière très intéressante un peu plus tard dans l'été, au mois de juillet, en fait. Il a reconquéri le titre de champion intercontinental de Double J, Jeff Jarrett. Eh bien oui, en plus, après, ça s'est passé en août au SummerSlam, il a défendu son titre de champion encore une fois contre Razor Ramon, le bad guy, dans un superbe combat de l'échelle qui entrera dans les annales de la World Wrestling Federation. Absolument. Et au mois de septembre, il a subi cet assaut de 9 voyous à Syracuse. Et il a subi une commotion cérébrale très, très sérieuse. Eh bien oui, d'ailleurs, Raymond, on se pose la question, qu'est-ce qui va arriver dans la carrière de Shawn Michaels? Est-ce que c'est sa retraite? Eh bien, écoute, il est revenu sur le ring. On sait qu'au Survivor Series, il était dans le combat, le wild card match. Ouais. Il a subi des sérieux coups sur la tête. Et le lendemain, à Monday Night Raw, il s'est effondré sur le ring. Incroyable. Alors, c'est là la question. Est-ce que Shawn Michaels va revenir à l'action à un moment donné? C'est la question que tout le monde se pose. Alors, pour vous, chers fervents de Shawn Michaels, regardons ensemble ce vidéoclip. Living out a dream. Now and
Jerry Lawler. He's taunted Ahmed. The toughest 4 years of your life was the third grade. He's attacked Ahmed. And then in your house, he set him up for a fall. But now, it's time for Jerry to put up or shut up. Ahmed Johnson. He wants to show the king that sticks and stones won't break his bones. And calling him names just makes him angry. Jerry Lawler battles Ahmed Johnson next week on WWF Superstar. Ah, 1995, une année extraordinaire, mais tu sais que 1996 va être encore meilleure! Eh ben oui! Et tu sais que dans quelques instants, on va aller écouter les moments forts de quelques superstars de la World Wrestling Federation. Mais avant ça, on va parler de la semaine prochaine. La semaine prochaine, ici en action, Ahmed Johnson contre le King Jerry Lawler. De plus, il y aura les Buddy Dollars qui seront là contre celui qui désirait tant être Buddy Dollars, c'est-à-dire Red Radford. Alors, Red Radford contre Skip. Ah, ça promet. Et également une entrevue exclusive que M. Perfect va entretenir avec le bad guy Razor Ramon. Mais avant ça, Jean... 1995, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Ah ben écoute, Raymond, moi c'est très clair. C'est quand j'étais au King of the Ring, quand je suis entré et qu'il y a eu une ovation absolument spectaculaire, toute la salle s'est levée, c'était vraiment merveilleux. Ou à moi, c'était plutôt, il y a aussi à WrestleMania, quand je suis arrivé et que tout le monde me demandait des autographes. C'était incroyable, moi je savais pas du tout que les gens m'adoraient autant que ça. Mais tu sais que j'étais à Québec aussi, en allô, février. Allô, Vidéoclip! J'ai animé... You have to be, when I very craftily... Acquisitioned one, Sid. I give you the new crowny jewel of my million-dollar corporation. I give you Sid. When that Hunter Hearst Hemsley was face down in the hall pin, and that other guy, that fancy pants, Mr. DiBiase, when that bucket was on his head, now wasn't that funny? My favorite moment, 1995, Winnipeg, Canada, where I win the belt for the fourth time. C'est arrivé, la mère de Bret Hart qui m'a demandé, elle m'a invité à dîner, quoi, c'était merveilleux, vraiment. Et ensuite, Bam Bam Bigelow, qui voulait absolument que je passe la soirée avec lui, et puis Ted qui voulait m'amener faire de jouer au golf. C'était merveilleux. Et surtout, d'ailleurs, quand on est ensemble, toi et moi, Raymond, tout le monde...